Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo qui m'a d'ailleurs été inspirée par les parents du centre avec beaucoup de retours questions comme par exemple comment aider mon enfant à apprendre différemment pendant les vacances? Est-il possible d'apprendre efficacement pendant les vacances? Est-ce que je peux aider mon enfant à augmenter son niveau scolaire pendant les vacances? La réponse, c'est tout de suite. Alors oui, vous pouvez considérablement aider votre enfant à augmenter son niveau scolaire durant les vacances en respectant le nouveau rythme biologique de votre enfant et du vôtre, puisque tout le monde est en vacances. Alors, mon premier conseil, les sorties. Alors, utilisez les sorties de manière éducative et pédagogique, c'est tout à fait possible. Alors en fait, organisez une sortie en fonction du programme scolaire de votre enfant. C'est quelque chose de très intéressant à faire. Ça va l'aider à renouer des liens dans les apprentissages. Alors pour vous y aider, donc un livre qui s'appelle « Escapade en famille ». Donc le seul guide touristique en lien avec les programmes du CP à la 3e. Je n'ai aucun intérêt financier dans ce livre-là, ni aucun autre intérêt d'ailleurs. C'est simplement que je l'ai déjà utilisé de manière personnelle et il est vraiment très bien fait. Donc ce livre répertorie tous les lieux et sorties intéressantes en fonction du niveau scolaire de votre enfant. Donc si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce livre-là, je vous y encourage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est utiliser votre voiture quand vous vous promenez avec vos enfants. Des fois, les trajets sont assez longs et on peut développer d'énormes compétences chez son enfant. Déjà, l'attention. Lui apprendre à observer son environnement durant le trajet de la voiture. Par exemple, faire des mini défis, un défi de repérage par exemple de panneaux. Voilà, le panneau a quelle forme, il a quelle couleur, il y a quel nombre sur le panneau. Donc ça, ce sont des petites choses qui aident à développer l'attention de votre enfant tout en entretenant du numérique, des mathématiques, de son sens de l'observation. Vous pourrez aussi développer sa capacité d'écoute. Donc, choisir de faire par exemple une consigne avec plusieurs choses à la fois. Par exemple, tu vas repérer la marque de cette voiture. Elle sera de couleur jaune et elle sera conduite par une femme. Donc, vous avez déjà trois choses dans une seule consigne. Donc, vous allez déjà le stimuler à l'écoute. Et quand il sera à l'école, il arrivera déjà mieux à se concentrer sur ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut développer énormément d'aptitudes et de compétences pendant les vacances, tout en s'amusant, sans ouvrir un seul cahier de vacances. Vous pouvez aussi équiper vos enfants, c'est l'occasion de leur offrir une montre. Alors surtout pour les petits, dès que les enfants savent compter jusqu'à 60, c'est l'occasion de leur offrir une montre et ça leur permet de développer leur orientation temporo-spatiale. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire, voilà, nous allons sortir à telle heure, il reste combien de temps avant de sortir, là, il est quelle heure. Donc, faire des petits rappels comme ça et vous allez pouvoir travailler l'heure, vous allez pouvoir travailler le raisonnement logique, la résolution de problèmes, puisque vous lui posez quand même des questions. Voilà, donc c'est vraiment intéressant d'utiliser votre temps de vacances et le temps de vacances de vos enfants pour développer toutes ces aptitudes-là. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'investir dans des jeux de société et surtout les jeux de plateau.
les jeux de société permettent d'intégrer énormément de compétences scolaires. Vous avez par exemple le mille bornes dans tout ce qui est mathématiques, vous avez le Monopoly, dans ce qui est orthographe, dictée, le fameux Scrabble. Donc voilà, investissez dans des jeux de société et vous verrez que vos enfants vont progresser sans même s'en rendre compte. Voilà les pistes que je vous propose pour rehausser le niveau de vos enfants durant les vacances et effectivement les préparer à la rentrée scolaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce et je vous invite à laisser vos commentaires là sous la vidéo, des commentaires qui me permettront en fait d'aborder des sujets qui vont vous intéresser prochainement. Merci infiniment et à très bientôt.